Bien, donc, mesdames et messieurs, Cuphead. Jeu à la manette, jeu de qualité. Pour moi, tout ceci est nouveau. Je joue plus à CS. Arrêtez de parler de CSGO, j'y rejouerai quand j'y rejouerai. Il était une fois, dans un monde magique appelé Inkwell. Est-ce que le son serait pas trop fort? J'ai appuyé sur Start. Raté. Donc ouais, on n'est pas là pour l'histoire apparemment. Parce que j'ai appuyé sur Start pour baisser le son. Ok. J'ai 3 points de vie. Ah, quel joli pickle, c'est cornichon. Dans quel cornichon tu t'es mis, espèce de petit cornichon? Ce sera une traduction approximative. Je sais que tu veux pas te mettre dans les griffes du diable, mais si tu refuses, je veux pas imaginer ce qui va t'arriver. Il faut que tu payes. Il faut que tu collectes ces contrats. Donc en gros, l'histoire, c'est on a fait un contrat avec le diable, et maintenant, le diable, il nous dit... En fait, on voulait sauver notre petite amie d'une mort certaine, et le diable est apparu, nous a dit « Ouais, est-ce que tu veux que je la sauve, ou est-ce que tu veux qu'elle meure ?» Et j'ai dit « Non, pitié, sauve-la. » Il a dit « Oui, mais il faudra que tu signes un contrat avec ton sang. » J'avais pas de sang sur moi, donc je suis allé en chercher, ça a pris 3 plombes, c'était galère, en plus, il n'y avait pas de métro, hein. il était trop tard. Et du coup, le diable m'a dit « T'inquiète, tu paieras plus tard, mais en attendant, il faut payer les contrats. » Donc là, je vais chercher les contrats de la baraque. Tu ferais mieux d'être prêt. Faudrait que je fasse ça moi. Et tu ferais mieux d'être prêt pour la grosse bagarre. Le mec à qui tu t'es endetté, il va pas être vraiment très sympa une fois que tu seras face à lui. En fait, je pense qu'ils vont tous se transformer en des bêtes terribles, des créatures de fou. Prends cette potion. Comme ça, ils vont pas te rendre sec. Ah, ça va te permettre d'avoir les habilités les plus magiques. Dit la théière qui parle, quoi. Et maintenant, va à mon bureau et utilise cette encre mystique. Il faut que tu te prépares pour la grosse galère, poteau. Poteau. La grosse bagarre. Ça, c'est le dash. Ça, c'est le saut. Pourquoi je les ai pas mis sur les... D'accord. Tutoriel, vas-y, faisons le tuto parce que je me rappelle de rien. Ouais. Jump. Ah oui, jump et dash. Peut-être changer les touches, non? D'accord. Et RB, c'est pour le lock. Ah non, mais ça va pas du tout. Ça va vraiment pas, ces touches. J'ai jamais utilisé ça. D'accord, ça c'est hyper facile. Ça aussi. C'est quoi B? Kraboum! Boum! Kraboum! Ok. Je pense qu'il faut que je change ces touches. Ça fait tellement de temps que j'ai pas vu ce jeu. Ouais, je suis un peu en retard. Yo Alpha! Ça va être la grosse galère. C'est ma partie 2 de la souffrance. Il y avait Sekiro, et maintenant, Cuphead. Qui se rappelle du journaliste resté bloqué au tuto? C'est pas gentil. Hey, salut! On dirait que t'es bien dans la merde, non? Avant, j'étais comme toi. Toujours en train de me mettre dans la merde. Courir, sauter, tirer, me mettre dans la merde, quoi. Mais maintenant, je préfère juste rester là et rien faire de ma vie. Mais, tiens, laisse-moi t'aider un petit peu. Prends ceci. De la thune. Merci, gros. Je peux aller au magasin. Porc épic. Porco. Donc là, j'ai 4 gold. Je peux acheter des potions. Mais faudrait pas que je les achète, en fait. C'est des potions que je peux utiliser ou c'est des buffs en fait qui sont constants? Ça me rajoute un point de vie. Et ça me rend mon attaque un peu plus faible. On va rester comme ça, j'irai plus tard. Vu cartoon génial. Ouais, c'est cool, en plus c'est des animes qui sont faites en tradi. Vous me dites hein, si le son est trop fort. Run and gun. 1930, c'était marqué. Il est de l'année dernière, ce jeu. Faut que je change les touches. On se fout de nous. Donc, tirer, il faut que je le mette sur...
Voilà. Je crois qu'on est bien là. Ok, je teste mes touches. Tac, tac. Deux secondes. Ça c'est pour locker et ça c'est pour faire mon spécial. Bon, on est bien. C'est gagné. Ok, j'ai oublié de locker. Ok, c'est ça. Je vais prendre une crampe à force de cliquer sur... Moi je suis pas extrêmement fort sur ce genre de jeu, donc soyez indulgents. Merde, je voulais me baisser. Du coup, j'ai perdu une vie. Est-ce que c'est normal de perdre à ce moment-là? Ok, j'arrive à faire ça. Ok. Tu peux pas rester appuyé. Si, je reste appuyé avec ça en fait. Je pense que ça va, hein. On peut tirer tout le temps, non, dans ce jeu. C'est pas un problème. Mais eux, mais qu'est-ce qui leur arrive? Ils vont me suivre tout le long comme ça? Ça pas la tête. Et là, du coup, faut que j'ai le bon angle pour faire ça. Ok, alright, faisons ça. Et comment je me baisse, du coup? Attendez. Si. Ah, je peux... D'accord. Donc ça, je peux pas le faire. Ah si, c'est bon. Attendez, je comprends pas. D'accord, dès que je bloque ma vue pour viser dans les autres sens, je peux pas faire ça. D'accord. Bon bah, let's go, hein, c'est parti. C'est parti pour la bagarre. Est-ce que j'ai besoin de faire ça pour tout? J'ai raté. C'est pour charger mon ulti, ça, non? Que je fais ça, je me rappelle plus. Je crois que c'est ça. Bon, lui, il se relève pas. Ah, baissez le son, c'est vrai, pardon, excusez-moi. Audio. Je baisse d'un, et vous me direz si c'est mieux. Est-ce que je viendrais pas de tuer le premier boss du jeu? Est-ce que ça ferait pas de moi le premier boss de ce jeu? J'ai baissé d'un, j'ai l'impression que j'ai complètement baissé le son. Bravo! Faut viser avec le stick, quel enfer. En fait, ça bloque le perso, il avance plus et... Le tout, c'est de faire des sessions pas trop courtes sur ce jeu, sinon tu progresses pas beaucoup. Faut s'y faire, effectivement. Yo, Merlin. Ok. Grade A. Eh, c'est bien, attends, c'était bien, ça. J'ai perdu plein de vie, par contre. Je le ponds. Est-ce que j'ai déjà joué à Ori and the Blind Forest? Non, je pense que je le ferai. Simple ou régulier? Régulier. Salut, Stupid Monkey. Stupid Monkey. Donc ça, c'est un boss. Hein. Est-ce que sur les vers de terre, je peux faire mon... je vais tester. Raté. Je vais changer mon timing, mais c'était pas une bonne. Énorme, il prend toute la place dans l'écran. S'il me fait une attaque, je... D'accord. Ça va être dur, ce jeu. Je sais pas si vous vous rendez compte. Pour l'instant, vous dites, ça va, c'est facile. Je me dis pareil. Hein, mais... Là, c'est mon ulti. Yes, c'est ça. You did. J'ai failli one shot le boss, faut pas que je fasse ça par contre. Hein. Faut pas que je fasse ça. Faut que le jeu il m'offre quand même un certain challenge. Sinon ça sera terrible. J'aime bien me la péter. Alors que je suis entre le premier niveau du premier truc et je perds une vie sur le premier boss. C'est bizarre que Cuphead ait pas relancé la mode des jeux 2D type dessin animé. Ouais, c'est dommage un peu. Enfin, c'est pas dommage, mais ça aurait été bien qu'il y ait plein d'autres jeux comme ça. Pourtant, leur process, il est pas extrêmement... Je sais pas, je me mets là, je sais pas si c'est bien. Je touche pas, là. Ah, voilà. Je vais rester là autant que je peux. Ah, je peux leur tirer dessus. Ok, cool. Ah merde, comment je dash ça? Je l'ai dit, faut que je dash. Ah, par contre, ça, c'est trop dur.
à viser précisément là avec mon Ouais, autant dire que j'avais gagné. Ça a coûté une blinde surtout. Je sais pas, je pense pas. Hein. Je pense que c'est vraiment pas un jeu très cher à faire. Par rapport à n'importe quel autre jeu. Et je pense qu'il a rapporté beaucoup d'argent par rapport à ce qu'il a coûté. Parce que ça prend quoi, des animateurs, mais au final le budget de ce jeu, c'est quoi? C'est un... C'est le budget d'une, d'une série animée, quoi. Ça coûte pas extrêmement cher, une série animée. Mais je me rends pas compte, en fait, de ce que je suis en train de dire. Donc, prenez pas ça... Oh non! Trop laid, je perds sur ça, quoi. Ce que je veux dire, c'est que... C'est que, techniquement, c'est pas très dur. Et que les ressources que ça prend, c'est... Je pense pas que ça soit... Je pense pas que ce soit plus cher à faire qu'un jeu en 3D, vous voyez. Je pense pas que ça, ou Ori and the Blind Forest, soit différent. En termes de budget. C'est ça qu'il faut que je fasse. Dès qu'il l'envoie, je dash. Tout simplement. Ce qu'il me faut, c'est les solutions. Ah, je peux en envoyer plein, en fait. Je peux en envoyer 4. Ah, je peux en envoyer 4 parce que... Oh, je suis trop bête. Non! Il est mort. De 3, 2, 1. 10 milliards, ça a coûté. Non, pas du tout. Carotte à tête chercheuse. Avec les techniques d'anime moderne, c'est faisable en moins d'un an. Ouais, bah bien sûr que oui. Bien sûr que oui. Puis même l'animation, c'est pas trop cher. Hein. Le truc, c'est que quand tu fais ça, si t'as un workflow correct, si tu un pipeline correct, je veux dire, tu, si t'organises bien ton équipe, quand ils bossent, c'est le truc final. Genre cet anime que vous voyez là, du perso qui saute, quelqu'un l'a fait en genre une après-midi, et c'était... et voilà, et c'était fait. Qu'est-ce qu'il fait, lui? Ça va? Aroumph. Je serais l'oncle d'un singe si, si je mets ma moula dans la banque. Il a bien raison. Sois pas l'oncle d'un singe. Pour tout ce que je sais, for all I know, le diable est probablement en train de contrôler la banque aussi. Ils vont jamais avoir mon argent si je le mets un peu partout. Et si quelqu'un trouve une pièce ou deux, tant mieux pour lui. C'est ce que je dis, Aroumph. Il a bien raison, ce gars-là. Faut pas faire confiance en la banque. Il a coûté 300$ ce jeu à faire. Il a été réalisé par deux personnes. Non, c'était plus nombreux. Mais j'en ai vu un des deux, ouais. C'est un étudiant. C'est un... Non, fallait que je me baisse. C'est normal, j'apprends le pattern. Ah, j'aurais pas dû faire ça. J'ai un point de vie. Hein. Oui, oui. Faut que je tire sur ça. Ouais, faut que je retire dessus. Donc les boss, leur difficulté, elle monte de manière progressive. Il va sauter, il va courir, j'en étais sûr. Leur difficulté va monter de manière progressive et mon niveau va pas monter de manière progressive. Ah, il m'a poussé. Traducteur, imitateur, voix off. Tu es plein de surprises, dis-moi. Si tu savais. C'est une technique pour faire plus de dégâts, mais il faut arrêter de lire le chat. Ça, je devrais pas prendre de dégâts là-dessus. J'ai déjà plus de vie. Attends, c'est ça que je voulais faire. Voilà. Je suis encore en train de me faire au bouton. Ah, mais d'accord, mais ils sont pas du tout dangereux. Et lui, j'ai le temps. Je peux faire ça. Ok, d'accord. Il régresse de manière progressive. C'est ça. Progressive, pardon. Je vais... ok, je regarde ma barre monter. Ça monte, c'est bien. Il suffit de regarder, en fait. Il suffit juste d'avoir des yeux. Oh, ça va être tellement facile. Ça me fait de la peine tellement il va être facile, ce jeu. Vous pouvez noter mes paroles. Hein, je vais les avaler tout à l'heure. Allez, je vais juste me mettre là. Voilà, comme ça, j'aurai le temps de le voir arriver. Je vais faire mon saut au bon moment. Maintenant. Ah, faut que je reste sur lui. Je pensais que ça fait une différence, les... Non! Je savais pas comment l'esquiver. Il est marrant, ce ventilateur. Non, 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 fallait que je dodge dans le sens. Kaboum! Boum! Kaboum! Vite, envoie tout. Envoie tout, là. Ok. Apparemment, la phase du ventilateur est terminée. Et maintenant, la phase de... La grosse bouche. Qu'est-ce qui se passe, là? Non! J'ai raté. Non, mais voilà, on en était déjà là. T'as vaincu des boss plus forts que ça.
Là, c'est le, c'est la, l'apprentissage. C'est la phase d'apprentissage. Parce que là, je passe de Apex à Cuphead, du coup, il me faut un petit temps de, d'adaptation. D'adaptage. Voilà, quoi, voilà. Il n'y aura pas de... Si vous attendez à ce que je one-shot un boss à un moment, il n'y aura pas ça. Faut pas vouloir que... Ce que j'ai fait. Par contre, il y aura des moments comme ça. Où je fais des choses qui n'ont aucun sens. Déjà, si je pense à utiliser mon ulti, c'est bien. C'est gagné. Ok. Sa vie, elle doit descendre tout doucement. Bon, ça, c'est pas ouf. On va essayer de one-shot la fin avec une seule vie. Oh, vas-y, ça passe. Ça c'est de la perte de temps. Pas besoin de me dire hein, dans le chat. Je m'en sors. Puis il y a des fois où je vais mourir. Et ce sera mon destin. Ok, je me mets là. Ici, c'est bien. Bon, c'est bon, j'ai compris le pattern. Après, un milliard d'essais. Ça va, c'est passé vite. C'est un milliard d'essais. Ok, maintenant, commence l'inconnu. À l'inconnu. Pif. Ça fait rien, en fait. Ah, c'est juste pour activer la phase suivante. D'accord. Ah, faut que je monte. Ah, je peux monter dessus, ok. D'accord, je l'avais pas vu. Ça va trop vite. Que quelqu'un les arrête. Ah, mais mince, mais non. Ah si, j'ai un indicateur visuel, en fait. J'avais pas vu. Non. Je fais mon ulti dans le mauvais sens. J'ai un indicateur visuel pour ça. Ça, on peut faire ça, c'est nul. Trop facile. C'est quoi le... Ouais, je dis c'est trop facile, mais je sais que je vais le rater ça tout à l'heure. Je suis vraiment trop con. C'est incroyable d'être aussi bête. Incroyable. Mais non. Ah, j'étais dans le mauvais sens. Bon, s'il n'y a pas la phase avec les vaisseaux spéciaux de... Spéciaux, là. Avec les soucoupes de Shredder, là. Voilà, tweet-toi. Le décor est trop stylé. Je regarde que ça depuis tout à l'heure. Avec le serveur qui passe. Il est vraiment trop cool. Là, faudrait peut-être que je regarde le jeu, en fait. Mais faut pas tunnel vision dans ce genre de jeu. Parce que t'as tendance à regarder un point précis, mais en fait, faut... Prendre un peu de recul et regarder tout l'écran et je sais pas, je donne des conseils alors que... Non, mais non, mais non, c'est pas ça que je voulais faire. Pas grave. La pire mort, bien sûr. Alors, les tigres. C'est quoi les tigres? Les boules, d'accord. Ça, c'est juste le pattern qu'il faut que je trouve. Mm-hmm. Là, faut pas que je fasse de dégâts. Faut pas que j'essaye de me dire... qui a du DPS. Ah, oh, ça passait pas dans le bon sens, d'accord. Pas grave. Moi, on a survécu à une phase qu'on connaissait pas. Et là, les serpents. Nickel. Bon, si c'est ça, c'est cool. C'est cool, mais c'est un peu la panique quand même. Et là, je peux pas faire mon ulti. Allez, go. 1, 2. Ah, je peux les envoyer super vite. Et là, dernière phase, les taureaux. C'est maintenant que je vais mourir, mesdames et messieurs. Mais non, mais en fait, je peux les voir... je peux les voir arriver, en fait. Ok. Salut, Waz. Eh
Et j'ai. Merci Alpha. Merci Pac-Man. Merci à tous. Merci. Public. Grade B-, donc non, pas GG en fait. Moyen G. Est-ce qu'il y a une différence? J'ai eu le Ruby and Crocs Soul Contract. Moyen GG. T'es nul. Mec, y'a pas d'entre deux quoi. Merci Tex FR. Putain, c'est Tex. Le vrai. Merci beaucoup Tex. J'adore ce que tu fais. Est-ce qu'il y a un truc quand tu fais tous les boss à la perfection? Est-ce que t'as un truc en plus? Genre de la puissance? Allez-vous-en, esprit. Oh, attendez. Oh, en fait, tu es vrai. J'allais te taper avec mon parry. Parry, c'est le truc que j'utilise pour monter, faire un double saut sur les objets roses. C'est comme ça que tu fais quand tu vois un fantôme par ici. Seulement un crétin essaye de tirer sur quelqu'un qui n'est pas vraiment là. Et en parlant de pas être à sa place, est-ce que ça te dirait de te barrer? Putain, tu fais peur au poisson. Putain, alors, la gentillesse. C'est un poisson en train de pêcher. Hein. Je veux pas juger, mais réfléchis à ce que tu fais. Alphacast te regarde et il t'a dit GG. Merci Squid. J'avais pas vu et j'avais pas dit merci à Alpha. Tu sais quand j'ai dit Alpha? Alpha, les gens t'aiment sur mon chat. Je sais pas si tu sais. Parce qu'ils savent que je t'aime. De tout l'amour de mon cœur. Donc là, c'est ça, en fait. C'est que du parry. C'est pour m'entraîner à parry. Est-ce que je peux parry? Into parry. Ah non. Puis, pou. Ah, je peux pas. Je peux pas parry. Attendez. Faut que parry. Ok. Help! Moi, ce que je veux, c'est faire un jump into un autre jump. Je vais attendre qu'il y en ait deux. Non, mais attends, au lieu de... Ah, mais parce qu'ils ont touché la soucoupe. Ok, j'ai compris. La soucoupe. Tu vas dessiner l'épisode après ou pas? Non, non. Si, on peut faire double parry. La li, la 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 lou. Mais alors? Eh, je peux même pas. Je peux pas mourir en fait. Je passe à travers deux. Sans que rien ne m'arrive. D'accord. Est-ce qu'on peut dash parry? Dash parry. Ok. Du coup, je peux parry, dash parry. Dash parry. Ah, j'ai raté. Dash parry, dash parry. C'est bon, on a la puissance. À nous la victoire. Bon, c'est bientôt fini. Ils ont pas l'air très commode. Il est pas commode. On met des grosses claques. Et victoire! Tu sais que tu l'as fait naturellement au début, puis tu t'es demandé si tu pouvais le faire. Ça arrive très souvent, ça. Ah, oh, merci! Je sais pas comment vous remercier pour me sauver. You boys. D'accord, je joue en solo, madame. Où sont mes manières? Je me suis même pas introduite. Je suis connue comme le Calice légendaire. Ça me fait très plaisir de te rencontrer. J'étais en train de chercher pour quelque chose de magique et searching for magic, ok. Et je me suis fait attraper par ces méchants fantômes. En parlant de magique, accepte ce cadeau, il devrait t'aider. Cool. Il y a plein d'autres mausolées sur l'île de Link, l'ancre, Inkwell Island. Enfin, je devrais juste dire ça. Je me demande seulement si quoi, s'il y a d'autres récompenses, s'il y a d'autres fantômes comme toi, s'il y a de la magie dedans. C'est quoi? C'est bon, j'ai eu un nouveau super. Alors ça, c'est super. N'oublie pas de l'équiper dans le menu. D'accord. Pied shooter. Mega Blast. Donc ça, c'est ce que j'ai. Mega Blast, j'en ai pas d'autres. Ça, c'est quoi? Le monde 1, monde 2, monde 3 final. J'ai fait le... Ah oui, j'ai C+. B- A-. On essaiera de faire ça mieux. Ah, c'est ça. Energy Beam. Non, mais ça, je l'ai déjà, non? Je l'avais pas déjà, le super. Et mon charme, j'en ai pas. Bah, j'ai pas de charme, évidemment. Quel skill! Tu paries à parry et tu paries de parir. Ah, je voulais sauter en appuyant sur... Je suis vraiment trop bête.
C'est quoi ça? Guppy le Grande, c'est le frère d'Ariana. Régulier. Difficulté. Celui-là, j'ai déjà vu. Celui-là, je l'ai vu dans les vidéos de présentation du jeu. Je crois. Il est cool. Ouga. Ouga Bouga. Ah non, le bâtard. Mais non. Ce jeu... Attendez, j'apprends. Hein. Ça fait peur un peu. Ok, ça, c'est juste que. Ouais, vous inquiétez pas, on s'en fout. J'ai jamais terminé, mais tu tiens une bonne strat. Rage. Jamais. Oh, j'étais à max range. Oh là là. Oh là là, mais regardez ça. Ça passe au millimètre, quoi. Oh. C'est beau, hein. On est là pour la qualité. Hein. Et là, j'ai fini la phase 1. Bam. Non, j'ai été trop... j'ai trop fait le malin. Je l'ai raté. Ah non, c'est bon, il a pris. Ah, mais moi aussi, du coup. Je sais pas si c'est bien, cet ulti, en vrai. Je sais pas si j'aime, en fait. Je pense que c'est bien, hein. Il doit faire beaucoup de dégâts. Il doit faire un dégât de plus, non? Que l'ulti normal. Parce que sinon... Je sais pas, parce que moi, en fait, je les cale tous. Les 5. Je sais que je peux essayer de tous les caler. Mais celui-là, je rate des passages, donc... je sais pas. Ok. Je lui cours après, je pourrais rester sur place. Mais... Voilà. J'essaie de comprendre le rythme. Faut compter en fait. Ah, midi, B. Oh, voilà. J'ai pas compté. Cours un peu plus. Finis-le. Perds pas des HP avec ces petites choses. Attends, mais pas si dur que ça au final. Oui. Va acheter une autre arme. Non, on va pas acheter une autre arme. Non, là, en fait, je vois très bien que je l'avais depuis le début, sans faire d'erreur. Faut juste que j'arrête de prendre des dégâts comme ça, quoi. Allez, c'est parti. J'enfile mon tryhard. Ah, je mets ma position de gagnant de jeu vidéo. Attendez, je suis pas prêt. Hein. Si tu galères contre lui, dis-toi que le boss final est 1000 fois pire. Alors, écoute, j'imagine bien. Ce genre de commentaire de base, quoi. Dis-toi que la difficulté, elle monte. T'inquiète. Je galère contre lui et je galérerai contre le boss final. C'est le but en fait. Sinon je jouerais pas. Je jouerais pas ça. Sinon si je voulais jouer un jeu facile, je jouerais Apex. Pourquoi j'arrive pas à faire ça? J'ai dit que Apex c'était facile. En vrai, Apex, c'est moins punitif que ça. C'est pas genre, tu fais une micro-erreur de placement et tu perds. Faire des grosses erreurs de placement, tu perds. Faut tout. Ok. Là, faut que je le one-shot. Ok. C'est pas si dur que ça. Le rythme, en fait, c'est ça qu'il faut que je trouve. En fait, si je vais dans la direction opposée à chaque fois. Comme ça. Théoriquement, il a aucune chance de me toucher. J'attends la phase suivante de ça en fait. Mais non, mais j'étais à côté. Et je l'ai pas volé ça par contre. MDR Lego. Quoi? J'ai dit quoi? Tu disais au début, ouais, c'est facile. Non, mais il est facile celui-là. Il a rien de difficile. C'est easy de le tuer. C'est juste moi qui arrive pas à le faire. Mais. Mais ça en fait pas un boss difficile. Ok, phase 1. Genre ça, c'est vraiment pas difficile, quoi. Mais non, j'ai failli retry. Tu perds de la vie sur ça, c'est terrible. Courage, Betsy, à toute. Qu'est-ce qu'il prend si je fais ça? Ah, d'accord, j'ai compris. En fait, avec la perspective,
Voilà, il est vachement large en fait. Il est plus large que la tombe. La hitbox est plus large que la tombe. D'accord. Attends, je vais lire ce que t'as écrit. En 2 secondes. Faut que je reste à lui tirer dessus en fait. Ok. Ah, je l'ai pris. Hein. Faudrait que je fasse ça en fait. Bon, c'est bon, j'ai réussi. J'ai dit à mes parents, j'attends que tu finisses ton boss et je pars réviser. Je suis désolé, Jean-Michel Depin. Bon, c'est un vieux score. Hein. C'est un vieux score. Bah. Jège. J'ai autant envie que toi que tu réussisses. Capel. Goupy le Grande. C'est aussi... Attendez. Je suis pas dupe. Pourquoi il y a un chemin ici? Allez, il y avait un passage. Ah, c'est comme ça qu'on va là-bas en fait. D'accord, bah, j'irai tout à l'heure. C'est bizarre ça par contre de l'avoir mis comme ça. C'est pas hyper intuitif. Quoi? Vous voulez voler dans un avion comme moi? Tu vas pas t'asseoir dans un cockpit avant que j'ai étudié ces plans. C'est quoi les plans hein? Avion. Les plans de l'avion. Il est sur PS4 ce jeu? Je sais pas. Oh trop bien. Tirer. Spécial. Et pareil. Énorme. Ah, si je laisse appuyer, je reste un petit avion. Et les munitions, elles changent. Trop bien. Let's go. Merci, mademoiselle Yuki. Bienvenue. Et là, du coup, c'est le niveau de l'avion. Le zeppelin du danger. Trop stylé. C'est, on dirait Betty Boop. Boop, petit boop, petit boop, petit bep, petit boop. Faut que je les tue. Ah, il fallait que je parry. Ah, faut que je parry. Ok. L'attaque qui prend tout l'écran. Elle est un peu vénère, hein. Ah d'accord, c'est ça mon défi. Ok, ok. J'ai plus de vie, mais vous inquiétez pas, c'est la phase 1, on apprend, c'est normal. J'ai peur. D'accord, donc ils ont la même attaque, le poulet avec les cornes et la madame avec le nez. Betsy. Yeah, yeah, yeah. Bam, j'ai paré. Ça, je l'ai pas paré par contre. Zoink. Zoink. Donc, faudrait que je garde mes 5. Comment je peux dodge? Ah, je peux utiliser le petit avion pour voler plus vite. C'est ça. Il vole vraiment plus vite? J'ai l'impression. J'ai peur. J'ai peur qu'il m'attaque. En plus, il a pas de chill quoi. Il fait ses attaques à la suite. No chill, no chill. Ça, c'est cool ça. Ah, je suis une... Je l'ai raté. Ah, je l'ai raté. Sûr que ça l'a pas touché. Pas touché. La nullité. Elle va revenir. C'est de pas me prendre de dégâts inutiles. Bon, ça a l'air... ça a l'air facile, la première phase. J'étais à la moitié. Elle fait des constellations pas mal. C'était quoi la constellation, d'ailleurs? Vous l'avez identifié? Est-ce que vous êtes capable de me dire ce que c'est? Cette attaque, j'ai tellement le temps de la voir venir. Parce que il y a beaucoup d'étoiles. Hein. Je connais pas de constellation avec autant d'étoiles. Je connais que les constellations de base. Ok, donc si je fais ça, je m'enfuis. Faudrait que je le fasse. J'ai déjà plus de vie. Sur la phase 1. Alors qu'elle est pas extrêmement hardcore cette phase 1. Ah oui, faut que je fasse ça pour me dépasser plus vite. Voilà. Yosh! D'accord. Flouf. Ah, c'est deux bonhommes qui se tiennent la main, cette constellation-là. Ah, d'accord. C'est les... je me suis trompé de bouton, je voulais parry et j'ai pas fait.
Un chien qui fait cucui. Raté. Floup. Ça, je le fais pour me barrer. Et ça, ouais, du coup, ma hitbox doit être plus petite quand je fais le petit avion. Petit avion, poupoun. Chouin, chouin. Il va le refaire. Donc 3, 2, 1. Maintenant. 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 Je suis chaud, hein, je suis prêt. Voilà. Ça va, j'ai le temps de les voir venir, en fait. C'est dur, hein. C'est très dur de les voir venir. J'ai pas trop le temps de les voir venir. Oh, ça, je l'ai pas du tout venu. Ok. Bon, faut que j'arrive à passer la phase 1 sans prendre de dégâts. Sans être deg, eux. Je rage à ta place. Bélier. Ouais, poulet avec des cornes, bélier, c'est quoi la différence? Bon, mon frère est biologiste et je peux vous dire que... qu'il serait d'accord avec moi. J'ai tellement failli prendre, là. Et si je restais en petit? Je pense que je fais moins de dégâts si je suis petit. J'ai moins de range pour mes attaques, et à mon avis, je fais moins de dégâts aussi. Mais non, je suis allé dessus. Des zous. Des zous nés. 3, 2, 1 maintenant. Mais je l'ai pris. Je prends tout, en fait. Now go. Let's go. Yigzo. Je reprends, je recommence. This match will get red hot. Now go. J'ai pris le A. Je me concentre. Je mets tout ce que j'ai comme concentration. Ouais, en fait, elle me suit. Hein. C'est-à-dire que quand je sors de l'écran, enfin, quand elle sort de l'écran, si moi je descends, elle remonte par le bas. Mais non, j'ai pris ça. Mais quelle tristesse. J'ai mon ulti, je le mets ou pas? Allez, je vais lui mettre. Ça t'apprendra. Et boum! Ya, 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 ya. Ok, ça faut que je le dodge, nickel. C'est bon, au moins j'ai pris les boutons dans les mains. J'ai pas le talent, mais j'ai les touches. Ça c'est quoi? On aurait dit une... D'accord. Salut Cola, t'aurais envie de faire un jeu comme Cuphead un jour? Grave. Les formes du boss sont random, non? Je pense qu'il y en a deux ou trois, comme tout à l'heure. Avec la machine à sous, on voyait les différents outcomes. En fait, là, il te montre les différentes phases au moment de te montrer les constellations, en fait. Donc il y a une, c'est deux persos qui se tiennent la main. C'est les deux qui se tiennent les mains. Mais qu'est-ce qu'elles font? J'ai oublié déjà. Je crois que j'ai même pas eu le temps de le voir en fait, je crois qu'on est mort dessus tout à l'heure. Et là c'est le personnage... ça c'est le bélier, d'accord. Le taureau. Enfin taureau, hein, c'est pas un bélier. Ça va, il est moins dur que le... que celui de... Sekiro. Je fais plein de parallèles avec Sekiro, mais c'est un peu le même jeu en fait. Ah j'ai mon ulti. Let's go. Yeah. Ça, c'est les deux qui se tiennent la main dont je parlais tout à l'heure. Voilà. Bah, j'ai deux vies, donc il va falloir qu'elles m'enlèvent deux vies. C'est leur mission. C'est quoi ça? Esquivation. Ça va, j'ai le temps de mettre des dégâts quand il y a ça. Je perds une vie, c'est normal. Hein. C'est parce que... Ok. Ok, bon, ça, c'est easy. Ça, c'est tranquille. Ça. Faut vraiment une vue, mais... Faut... Yeah. Faut des yeux qui voient tout l'écran en même temps, quoi. Dans ce jeu. Elle fait la tête là, qu'est-ce qui se passe? Je pense que ça c'est la dernière phase. Tu me dis, hein, moi je te... Je peux aider. Ouais, j'ai gagné là. On dit j'ai gagné. Ok. J'ai peur. C'est tellement stylé. Oh non, il fallait que j'appuie sur... Ok, ça c'est la dernière phase, la pire phase. Tu peux tirer sur les étoiles bleues? Ouais, c'est ce que j'ai essayé de faire, mais en fait il faut mettre plusieurs balles et... Et j'ai pas le temps de mettre plusieurs balles sur les étoiles bleues. Elles veulent pas. Elles me visent en fait.
Je vais y prendre là. Je vais même pas tuer. Allez, mets des dégâts. Vous imaginez qu'il y a des gens qui speedrun ce genre de jeu? Ça doit être tellement cool à voir. Ça doit être tellement impressionnant. En fait, une fois que vous avez joué au jeu, vous les regardez speedrunner et vous êtes là. Oh. Ok. I'm retarded. On juge pas ta nullité, quoi, là, TKT. Cool. Vous pouvez, hein, mais le jugez pas avec moi, en fait. Jugez-le chez vous. Et me dites pas que je suis nul. C'est pas gentil. Ha! Non! Ah! Je me suis fait avoir par un... Ah! Horrible. Ok, donc là... Mais pas tous tes dégâts là-dessus, on sait pas si ça les record, si ça les register. Ils doivent savoir quand même les gens qui... Ok, j'attends. Ok, j'attends encore. Ok, maintenant faut pas que je me rate. Boum, sur le front. Comme un bisou. Ok. Ah, elle avance en fait pour pas que je me... Ok, il faut que j'avance. Elle avance pour pas que j'avance trop en fait. Parce que si j'avance trop, moi je suis safe. Mais elle veut pas que je sois safe. Ok, j'attends la phase suivante. Il y a encore les vaisseaux. Je recule. Faut que j'avance. Je regarde que les vaisseaux. Et c'est gagné. Nickel. Il est tellement stylé. Grade, ça va pas être ouf. Ça va être B. Ou B de moins. Tape Nvidia Ansel sur Google, tu verras que dans la new match de GeForce Experience, ça a été fait il y a une ou deux semaines. Mais comment tu veux améliorer les graphismes? Merci Jean-Michel. Comment tu veux améliorer les graphismes en fait? Moi, c'est la beauté des animes. Regarde le nombre de FPS que tu vois. Là, j'ai 225 FPS sur ce jeu. Ça va. On m'enchaîne en direct. Bras, VO. Donc ça, c'est un niveau, c'est pas un boss. Non, c'est pas un boss. Ah, il faut que j'appuie tout le temps sur combat. Ah oui, je peux les casser. Ah, zut, j'aurais pas dû faire ça. En fait, j'ai pas besoin de tirer sur ce niveau. Woody. Woodpecker. Je perds de la vie, c'est normal, j'apprends. Hein. Je découvre. Yes. On peut pas l'avoir. Je sais ce qu'il faut faire. J'ai raté le... J'ai raté le pattern. Faut que j'attende qu'il y en ait un... Faut que j'attende qu'il y en ait un... rose. Attendez. Ah mais on peut la toucher comme ça. Ok, parfait. Oh, j'ai trop galéré sur ce niveau. Yes. Tu tirages 24 dans ce jeu en fait. Ouais, c'est ça. You're up. Ok. Parce que des fois, ils se mettent à sauter devant moi. Genre lui, là. Qui a atterri sur moi. Excusez-moi, je me gratte les... filtres intégrés à Shadowplay. Non, je voulais ressauter sur lui pour avoir la pièce qui est pas là. Ah, je l'ai prise, du coup, elle y est plus. Ah si, elle est encore. Allez ! Oh, le niveau le niveau du mec. Ça, c'est au moins un mec qui va finir le jeu, ça. Ok, d'accord. Le karma, hein, c'est fou quand même. Ça sert à rien de tirer tout le temps. Il y a une pièce là. Qu'est-ce que c'est que ça? Les affreux. Qui sont les? Les affreux jaja. On peut les tuer. Mais lui, j'arrive pas à le viser. Bon, tant pis. Non. Ok, je trace. Je fuis. Ça me fait penser à un niveau, vous savez dans quoi? Vous savez exactement de quoi je parle. Oh non, je suis descendu, je suis tombé. Ça me fait penser à un niveau dans... j'ai pris des dégâts sur ça. Dans. Je vais attendre d'être à ce passage-là et je finirai ma phrase. On y retourne vite. Faut pas que je dash au début.
Vas-y, je pensais que j'étais bien à cet endroit-là. Ça se joue à la manette, ce jeu. And begin! J'aime bien comme il crie un peu. Genre un peu en colère. Genre un peu déçu de tes performances. Oh non! Putain, je l'ai eu au millimètre. Ah, attendez. C'est dingue cette envie de nous gratter le nez comme ça tout le temps. Ça vous fait pas ça, vous? Attendez, comment je l'ai eu tout à l'heure? Je veux cette pièce. Yes. Le timing. Mais non, mais ça, c'était impossible. J'ai déjà vu des trucs impossibles et ça, c'en était un. Ah, il faut tirer tout le temps. Là. Qu'est-ce qu'il faisait là, lui? Bon, ça, ça a pas l'air hyper dur. Sauf ça, en fait. Le fait qu'il y ait des... Insectopie. Ah oui, d'accord, j'ai essayé de le tuer, j'ai pris trop de temps. Trop peu de dégâts, visiblement. C'est bien de les cleaner, n'empêche. Comme ça, si je tombe, bah après j'ai plus de vie, donc je risque pas de faire grand-chose. Mais ça, ça se speedrun. Donc je disais, oui, ce niveau, il me fait penser à un niveau dans Schtroumpf. Avec la lave, quand tu tombes, forcément tu meurs. Voilà, c'est ça qui m'a tué tout à l'heure. Je pensais que c'était eux. Si, moi, tout le temps, du coup, j'ai décidé de me couper le nez. Ah, mais faut que j'arrête de tirer là à cet endroit là. Sinon, j'aurai jamais mon animal totem. Lui là. Oh, rien! Non! Il y a une petite ligne là, vous avez vu? Qui est faite pour que je trouve mon endroit parfait. Là où j'ai ma tête. Pile là. C'est un petit point. Tout ça là. Je vais y prendre là. Ah bah, j'ai pris. Est-ce que je recommencerai pas? Je dois penser. Quand tu tombes dans la lave, tu meurs. Non, mais sur le niveau de dans les Schtroumpfs. Dans les Schtroumpfs. Je connais pas. Je suis sûr que c'est la ref. Sur Game Boy, hein, les Schtroumpfs. Il était cool ce jeu, n'empêche pas. Ok, là faut passer entre les deux. Là je l'ai raté, mais je prends mon petit. Hop, là ma technique secrète de me mettre ici et de dash. Comme ça, nickel. En fait, quand tu prends les alignements, ce jeu devient un jeu de mémoire. Pouf. Ok. Mourir sur ça. Mourir pour des idées. D'accord, mais avec du sel. Eux, je peux pas perdre de vie sur eux. Vraiment pas. Je peux, hein, mais il faut vraiment pas. Non. Oh, j'ai pas perdu de vie. Le jeu était Clément. C'est qui Clément? Lol. Ah non, je suis trop bête. L'écran il redescend un peu des fois, il est gentil. Ok, ça on l'a jamais fait. Ah, ils disparaissent. Ah, ça va pas être pratique du tout ça. Ah, ils reviennent. Ah, ça va être facile. Non, qu'est-ce qui se passe? Oui, coin. Dès que je leur saute dessus, ils meurent. Ils se font tuer. Ah, mon bouton sauté, il a pas sauté. Vous le croyez si je vous dis ça? C'est bizarre. Bon, celui-là, c'est le dernier try. Hein. Je vous le dis. Pas besoin de tirer à cet endroit-là. No need. Oh, je l'ai raté. Eh bien, c'est pas grave, car... Les alignements. Hop là. Vite. Hop, là, il faut sauter entre les deux qui sont là. Hop, là, c'est facile. J'ai pas besoin de faire mon boost. Là, je suis tout le temps en retard sur ce timing ou en avance. À choisir. Bon, c'est cool. Ce niveau-là est dans la poche. Mais en même temps, je me doute que c'est pas un des niveaux les plus durs. Ah, attendez, faut que je tue lui, là. En fait, eux, ils ont dû être calés pour que ce soit le pire timing possible. Mais vu que moi, mon timing, il est bancal, il me pose absolument pas de difficulté. Non! Alors ça, je suis tombé parce que je suis nul. Parce que j'arrive pas à monter sur ça.
Faut attendre d'être tout en haut. Tu peux remonter, s'il te plaît? Ok, tant pis. Voilà. Bon, je me doute qu'il va y avoir une difficulté cachée à la fin. Donc, dès que je marche sur eux, c'est des espèces de singes avec des ailes qui nous donnent leur gentille feuille pour qu'on puisse... Pourquoi j'arrive pas à sauter à cet endroit-là? J'ai re-raté mon saut. Bon, c'est pas grave. Tu m'as donné envie de rejouer à ce jeu. Et du coup, ils se font tuer à cause de moi. C'est terrible, quand même. Après, ils réapparaissent, hein, donc... pas non plus si terrible que ça. Oh! Qu'est-ce que c'est beau! Moi, j'apprécie beaucoup ce genre de spectacle. Celui que je vous offre. Le mec, il se jette des fleurs. Il faut se jeter des fleurs. Hein. Je sais pas si vous, vous faites ça dans votre vie. Moi, je le fais absolument tout le temps. Mais non! C'est bizarre, ça. C'est un bug, hein, je pense. Ah, ça, par contre, c'est pas un bug. Ça, c'est un... ça, c'est ma faute. Ça se mange une Nutella périmée. Je pense, hein. Je te dirais non. Ça va pas être très bon, en fait. Mais je sais pas si le chocolat, ça pourrit. Non! Non, je veux cette pièce. C'est quoi ce logo Pac-Man, en fait? Mais non. Mais non, je passe juste en dessous. En fait, si je suis un peu trop à droite, je suis largement trop en dessous. Si je suis un peu trop devant, je suis juste trop en dessous. Allez, si je mets là, ça passe pas. Si je mets là, ça passe pas. Yes, si je mets là, ça passe. À la frame. Au moins, tout le reste, c'est tranquille. Il va, voilà, j'étais sûr qu'il allait avoir lui. On va le laisser, en tout cas. C'est trop marrant, le mob qui avance. Le mob... C'est vrai. Bon, ok, il faut que je les tue tous. Prends ton temps et tue les mobs. Voilà. Tue les mobs comme ça. Et c'est là que je me rends compte qu'en fait, ils me foncent même pas dessus. Ils ont juste envie d'aller là où ils veulent aller. Moi, je les tue parce que je suis un égocentrique et je me dis, ouais, ils veulent me tuer. Parce que je suis le héros du jeu. Je suis sûr que c'est ça, en fait. Si je les laisse passer, je suis sûr qu'ils passent et qu'ils vont ailleurs. Moi, je me dis trop, ouais, regardez ça, il voulait même pas me tuer, et moi je le tue. Aïe aïe aïe. Très belle morale, quand même. Alors là, si je perds ici, je m'en voudrais, je pense. La pièce, je la veux. Et je la veux. Je prends toujours le chemin du haut parce que je me dis. C'est bon, eux, ils tiennent. J'ai failli être en panique, là. D'accord, donc lui, il les tue. Le mec est pas du tout sympa. Ok, donc c'est ça la difficulté de ce niveau. C'est lui. Il était mort. Il n'y avait même pas de phase après. Il n'y avait rien. C'est juste moi, j'ai sauté de la feuille. Coup dur pour le joueur nulandais. Non, pas comme ça. Bruh. Bruh. Non mais ce jeu c'est une, c'est un test de calme. Je suis pas assez calme, faut que je me calme. Tu te calmes. Ah oui, j'ai oublié que j'ai besoin de toutes mes vies du coup. C'est pas possible de faire ça. Génial, point d'interrogation. Juste ça, genre... Noni. Yes! Vous avez cru, hein? Vous aviez... vous avez cru que j'avais raté. Là, faut que je tire parce que lui, il est en avance. Il est pas en avance, il est où? Il y est plus? Je l'ai tué, hein. Là, j'assume totalement, je les tue pour ma sécurité. C'est leur existence me dérange, en fait. Voilà, c'est ça. Ça, j'aurais pu faire le malin, mais non, je sais pas.
Bon, j'ai 3 vies. Est-ce que c'est la bonne game? Non, non, je vois rien, je vois pas. C'est bon. J'ai failli pas avoir 3 vies, hein. J'ai failli avoir 0 vie. Je continue de tirer. Hein. Mais oui, regardez la tête de mon personnage. Attendez. Est-ce que je viens seulement de calculer qu'en fait je suis pas le gentil de l'histoire? Regardez ça. J'ai le poing ferré, le poing serré. J'ai un pistolet. J'ai un sourire evil, maléfique. Et je tire sur les animaux sauvages. D'accord, donc je suis pas le gentil de l'histoire. Oh, j'ai raté une donation tout à l'heure. Attendez. Merci, Bibzi. Sortez, sortez. J'ai dit, ah, je peux pas lire, attends. Et en fait, j'ai pas lu. J'ai jamais lu de ma vie. Je suis vraiment un connard. Bibzi. C'était quoi? C'était Corrosif qui a sub. Merci beaucoup. Voilà, c'était, c'était il y a environ 41 minutes. Désolé. Je suis désolé. Non! Oh, vous avez vu comment le jeu a été clément? Merci, Bestonio. Il a pas commencé. Regardez la tête du... Mais attendez, ça, c'est bugué, là. Je vois pas. Je vois pas mon ennemi. Allô? Jeu vidéo. Ah, c'est bon, il est là. Il s'est pas affiché. Non, c'est... je suis trop bête. Ok, j'ai cru que l'écran allait pas tourner. Si je rate ce saut, je... Mais c'est qui Clément? C'est qui Clément? Pourquoi tu dis le jeu, il est Clément? Bon, formidable. Je vais arrêter là, je vais faire une pause. A brand new record. Et je vais faire une pause et je vais aller manger. Et je vais reprendre après manger. Et on va déchirer ce jeu qui est visiblement trop facile. Il est surtout beaucoup trop stylé. Donc, mes amis, mes belles personnes du chat, je reviens après la pause. Après la nourriture, quoi.